Je suis un garçon, alors? Eh ben voilà! Bang, bang. J'embrasse pas les filles. Ah, t'es fou. Tu m'as fait peur. Ah bah, il faut brancher le système d'alarme, mon vieux. Et donc, tu sais que... Quoi? Ta fille a traité mon fils de tapette. Non, ouais. Tapette? Oh mince. Et on se demande où ils vont chercher tout ça. Ouais, je te le demande. Eh oh Albert, du calme ma poule. On fait pas gaffe à chaque mot qu'on dit quand même. Ah ben on devrait, surtout toi. Tu te prends pour qui toi? En tout cas pas pour quelqu'un qui fait ta gala poète-poète avec sa femme devant tout le monde. Oh mais il va m'énerver ce mec, hein? Il va se prendre mon poing sur sa gueule. Bonjour. Retiens bien ça, Thierry. Chez nous, on n'a pas de tapette. C'est compris? Hé! Hey, ta gada de poète-poète, c'est pas contre nature, au moins! Ah! Salut, Do! C'est quoi une tapette? Salut, Do! C'est quoi une tapette? Qui t'a dit ça? Je sais plus. Qui t'a dit ça? Arrête. Calme-toi. Qui t'a dit ça? Réponds-moi. Dis-le-moi. Ah! T'es fou? Ça, c'est une tapette! D'accord? Tu deviens comme Albert. Tu te fâches pour rien. Lève-moi danser ce soir. Oh, mais t'es une vraie petite ménagère, toi. Ça, ça manque un peu de finesse, Monique. Avoir un zizi ne dispense pas de mettre la table, je crois. Non, bien sûr, non. Et là, ça marche chez le psychologue? Oui, très 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 bien. Hein? C'est marrant parce que Albert n'aime pas beaucoup ces gens-là. Il pense que si la société n'était pas aussi dégénérée, eh bien, on n'aurait pas besoin de fous pour s'occuper des autres fous. Et Ludovic n'est pas fou. Hé, hey, Anna! Oh, le prends pas mal! Ce qu'elle est juste en train de te dire, c'est à quoi ça sert de se branler le cervelet, hein? Tu veux me le dire? Hé, les filles, moi, je vous dis un truc, le sport, il y a que ça de près! Et le travail, Thierry? Je suis sûre que vous oubliez le travail. Tu peux pas être un peu plus intérieur, toi, des fois? Non, c'est vrai, quoi. Moi, j'ai vu une émission à la télé il y a pas longtemps, sur les transsexuels. Mon chéri, tu veux pas les mettre sous couvert du côté des enfants? Eh ben, j'ai pleuré. Parce que si ma fille venait me voir, elle me disait que c'est un garçon, je sais pas ce que je ferais. Je sais pas. Moi, je crois qu'il faudrait lui laisser vivre son fantasme jusqu'au bout. Alors ça, c'est des conneries, je veux dire. C'est pas parce qu'on prend une cuite qu'on arrête de boire. Écoutez, j'ai une amie. Elle a un gamin qui voulait aller à l'école en jupe. Elle l'a laissé aller à l'école en jupe. Un garçon en jupe? Au bout d'une semaine. C'était fini, la jupe est restée dans le placard. Ah. Bon, Thierry, ça vient la viande?
Chérie, tu vas chercher ton papa et Albert? Albert? Comment ça va? Oui, c'est déjà beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Le slogan était un peu bas maintenant, non? Ok, t'as raison. T'as l'air nerveux ces temps-ci. Hein? Moi? Pas du tout. Si c'est pour les licenciements dans la boîte, tant que je suis là, t'as pas à t'inquiéter. Pour être franc, c'est toi qui es un peu nerveux depuis cette histoire avec les gosses. Je sais pas, t'es pas comme avant. J'y pense même plus. Tu sais, Ludo, c'est parfois un drôle de gamin, mais en fait, il voulait pas faire de mal. Et puis, depuis qu'il va chez la psychologue, c'est vraiment du passé. Bon, tu veux un conseil d'amis, Pierre? C'est pas un psychologue qu'il faut à ton gamin. Mais qu'est-ce qu'il faut, là? Bon, ne le prends pas mal. Je sais que t'es débordé, mais tu devrais pas laisser Anna prendre toutes les décisions. Surtout pour tes fils. Mais elle prend pas toutes les décisions. Tu vois bien, tu le prends mal. On les a éduqués tous pareils, nous, monde. Seulement, c'est pas des pneus qu'on fabrique à la chaîne. Ça donne jamais la même chose. Seulement, toi, tu peux pas savoir. T'en as qu'un, donc... Excuse-moi, Albert, j'avais oublié. Dieu m'a pris un enfant, Pierre. Il ne prendra pas le second. T'entends? Calme-toi. Je suis calme. Pardonne-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Ludo? C'est prêt. C'est vrai que je me suis laissé bouffer par le boulot. Qu'est-ce que tu dirais si on passait un peu de temps ensemble? Allez, c'est pas grave, Ludo. C'est le métier qui rentre, allez. Pauvre chou, tu dois avoir chaud avec tes cheveux. On va les couper. Allez, vas-y.